Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 10. Nous en étions tout simplement dans le désert hein, et on m'avait proposé de partager un repas avec des Indiens. J'adore les Indiens. Hop, un couteau pour couper la soupe, c'est toujours bon. Je rigole évidemment, là on mange une spécialité indienne. À base de pommes de terre, de sauce rouge, tomates, piment, tacos. Ah, il m'a tapé un regard, Scarface, lui. Non, mais tu manges pas un tacos comme ça. C'est comme si t'allais bouffer un kebab comme ça, les gars. Ok. Je me régale, hein. Personne ne parle. Cette famille est incroyable. Allez, je viens de me servir de l'eau, c'est pour boire. Lui, il veut m'embrouiller, c'est sûr. C'est sûr. Cheval blanc, il veut m'embrouiller. On va s'embrouiller, on va se la donner, les gars. Ah ben, on va se la donner, c'est sûr. On voit pas beaucoup d'autostoppeurs ici. Je peux savoir où tu vas? Alors, faut savoir que... Je vais être sincère avec eux. Je vais être sincère. C'est des Indiens, en fait, ils croient beaucoup, jours, je pense, à tout ce qui est un peu paranormal. Je me dis que si je continue assez longtemps, je finirai par savoir où je vais. Je vois. Ok, seul chevaux, ranch. Vous élevez des chevaux? Ouais, des mustangs. On a aussi quelques churros. Des churros? Des moutons. Oh. On vend leur laine et leur lait. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet de vivre. C'est beau. C'est le premier ranch que je vois depuis des kilomètres. Mmh. On était plus nombreux. Beaucoup sont partis en ville. La vie est pas facile ici. Vous êtes vraiment loin de tout ici. Ma famille vit ici depuis des générations. Je suis né ici. Et je vais sûrement y mourir. Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux ici. Mais... ils veulent rester avec leur grand-mère et moi, alors. Eva, montrez ta chambre. Bonne nuit. Oh putain. Resident Evil 8. La suite, on y est. Vas-y, je Alors, te suis. Tu viens? Bah, je suis là. Hein. Bon, je suis collé à toi. Prends pour un connard. C'est très bizarre. Je pense que c'est une tempête. Ah mais c'est sympa quand même, hein, toutes les chambres à coller là, ça fait un peu hôtel. Hein. Reste dans ta chambre. Quoi que tu entendes. Quoi? Ce que j'entends? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu tiens à ta vie? Ferme la porte et ne ressors pas avant demain. Ok, ça m'intrigue. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ok, je peux pas sortir. Ok, là on a quelqu'un. Bon, on va peut-être pas sortir. Là on a le chien. D'accord, là on a mamie. Ok. Alors pourquoi m'avoir mis en garde? Là on a moi, alors?
Là, on a Paolo. Et puis là, on avait le mec qui dort. Ok, très bien. Bon, bah les gars, vous savez quoi? On va peut-être pas bouger. J'ai pas trop le choix. Qu'est-ce qu'on a là? Des cendres? De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur? Arrive Paolo. C'est très bizarre. Je meurs d'envie de savoir. Ça a l'air d'être un truc con en plus. Tire! Ok. On va se coucher les gars, on fait genre. Mais je me dis, si je suis curieux, je peux peut-être les aider. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être une histoire d'esprit aussi. Je sais. C'est étrange comme endroit, mais... T'inquiète pas. Demain, on sera bien loin d'ici. D'accord. Bonne nuit, Aiden. On se couche. Je respecte ce qu'il m'a dit. Reste dans ta chambre. Crois que tu entends. Ok, bon, j'ai vu l'avenir, voilà, j'ai vu l'avenir, il y a la vieille dehors, il y a un cheval qui est excité, il y a un mouton, un churros qui est mort, donc que faire? Est-ce que je peux rester dans le lit? C'est ce que je me pose comme question. On va pas rester 5 minutes, parce que si ça se trouve ça sert à rien, mais il m'a dit reste dans ta chambre, et même dans la prédilection. Je l'ai revu me dire ça. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on peut rester là ou pas? Je sais pas, je sais pas. C'est ça qui est un petit peu terrible, c'est qu'on sait jamais si on a le choix ou non. C'est un petit peu dingue. Ok, c'est pas grave. On se met debout. On va voir les pièces d'à côté. Il n'y a plus personne ici. Non mais il y a un truc là, il y a un truc de possession. Il se passe un truc de ouf là. On va aller voir on va aller voir la mémé si elle va bien quand même. Ok. Et le chien? J'ai envie d'y aller hein. J'ai envie d'y aller. Malgré qu'on m'ait dit de rester dans ma chambre, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je suis pas sûr qu'il y ait la possibilité de rester ici. Pour être entièrement honnête avec vous. Donc vous savez quoi, on va y aller. On va y aller, on va sortir. C'est peut-être la faille qu'on a vue. On avait vu une faille énorme. Eh, hey, au pire, vous savez quoi? Moi, je les embarque pas dans ma galère, d'accord? J'y vais tout seul, bas les couilles s'il m'arrive quelque chose. Bon, bah, tant pis pour moi. Et s'il m'arrive rien et que je peux les aider, tant mieux. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, je vais pas les réveiller. Je vais les laisser tranquilles. J'ai vraiment pas envie de les déranger.
Le chien me fait énormément de peine. Ok, il y a quoi dans cette pièce? Ok, c'est le daron. On va essayer de les aider, Le chien me fait de la peine. Ok. Wow! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Retourne au lit. Tu partiras demain. Je pense que c'était une faille. Il doit y avoir des expériences pas très loin. De toute façon, on n'avait pas le choix, les gars. J'aurais pu les réveiller avant, mais... peut-être que j'aurais pu discuter aussi avec eux, et puis la nuit serait passée. Et j'en aurais peut-être su un peu plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous avoue, tellement d'interrogations. On remet le pantalon, les gars. On remet le haut. Extrêmement froid. Ah! Je suis sûr que l'Indien, il est pas méchant, il veut me montrer quelque chose. Je connais bien les Indiens. Et c'est vrai qu'ils sont pas. Ils sont pas méchants. Ok. Aérer les gars tous les matins. Ok. On peut fouiller un petit peu sa chambre. Des boules. C'est louche. Ok. On va fouiller les autres chambres. J'en ai rien à foutre, hein. J'ai aucun respect pour personne. De toute façon, ils m'ont caché quelque chose de terrible. Et je pense qu'on va tu savoir. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit au garçon de te laisser dormir. Merci. J'en avais vraiment besoin. Ok. J'ai fait du café. Ok. Je prends par respect. Jamais refusé. Ok, j'ai goûté son café. Très très bon au passage. Là on a quoi là? On a la vieille normalement, non? Qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que je peux pas faire un truc de simple? La vieille, elle cache quelque chose. Je pense qu'elle sait ce qui se passe un peu. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, on s'en va. Oui. Oui, pourquoi pas. Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Cory. On se voit dehors? D'accord, donc on va bosser pour eux. Oh yeah! Prête à bosser? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper? Bien sûr.
Ok. Bah allez les gars, on va donner de l'eau aux moutons. Je sens qu'il va se passer quelque chose de terrible. Ok, direction les moutons. On va aller leur donner de l'eau. Qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, la faille était ouverte et l'Indien est là pour prévenir la famille de partir. Il doit y avoir des expériences pas très loin. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je me trompe peut-être totalement, évidemment. Alors, tu vas rester un peu? Ouais, on dirait. Super! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Allez. Bon, les moutons. Attends, je le mets où, ce saut, là? Je le mets où, ce putain de saut? Ah, à gauche. J'ai vu une baignoire. Merci, Johnny. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange? La vieille m'intrigue énormément. Alors, je vais prendre Aiden, doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un petit bonus, peut-être. Non. Ok. Moi, c'est la vieille qui m'intrigue. Je pense qu'elle sait pas mal de choses. Ou alors, peut-être même qu'elle sait ce qui se passe autour de moi. Peut-être même qu'elle voit Aiden. Je ne sais pas. Ok, il y a le chien. Le chien n'a pas peur de moi, mais il a peur... C'est très bizarre. Bonjour. Je m'appelle Jody et je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? Pas très coopérative, on est bien d'accord. Il y a vraiment rien à faire pour l'aider. Ok, il y a notre ami qui nous a rejoint. Allez, les caméras, c'est chiant. Oh là 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 là, l'enfer. Ok, allez, on va récupérer du foin. Il est en train de boire, c'est normal, c'est tout à son honneur. Oh. Est-ce qu'on peut éviter le drame? Voilà. T'excite pas, Aiden. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. C'est pour ça que j'y suis allé doucement et j'ai commencé par celui du haut. Eh oui, les gars. On creuse, on taffe le sujet. Ok, maintenant, il veut que je mette ça où? Je me souviens plus. Les moutons aussi, peut-être? Ça bouffe du foin, les moutons? Ça bouffe tout, ça. Hey, Jody! On mange! Ok, laisse-moi juste terminer ça. Ok, va y avoir embrouille. Va y avoir embrouille parce que c'était deux jours que le cheval s'affolait. On a déjà eu le mouton. On a eu le mec qui dit reste dans ta chambre. Donc là, on est en plein dans le futur. Ok, maintenant, je donne... Pose là où tu veux. Merci, Jody. Ouais... Allez, je vais le mettre là-bas. Allez. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard. C'est bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus, hein, on va pas se mentir. Assieds-toi. Merci. Il y a beaucoup de choses à faire au ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux.
Moi, je surveille les Turos et mon père s'occupe de tout le reste. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres ranchs Navarro dans le coin ? Il y en avait une cinquantaine il y a quelques années. Mais là, il ne reste que nous. Les autres sont partis à cause de... Les autres ont décidé d'aller vivre en ville. Tout le monde ne veut pas vivre dans le désert. Ouais, donc il se passe bien quelque chose, hein, les gars. Pas besoin d'être... d'être Einstein pour savoir ça. Tu sais, en ouvrant la porte hier soir... j'ai vu quelque chose. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas de quoi tu parles. C'était un rêve. Allez, on parle des moutons. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils sont étouffés dans le sable. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Sur le coup, il a pas tort. Ah, oh, t'en fais pas, Jody. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. À tout à l'heure. Lui, il veut me pécho, c'est sûr. Bravo, Jody. Ok, on va essayer de parler à mamie encore. On peut ou pas ? Ok, non, on peut plus lui parler. On va parler au daron, on va voir un petit peu s'il peut se passer quelque chose d'intéressant ou non. Hé, y a autre chose à faire, Paul ? Non, mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. Ok. On va aller voir les garçons, je sais pas par où ils sont passés par contre. Est-ce qu'ils sont pas plutôt dans la maison ? Non, ils sont pas du tout dans la maison. Tout n'est que tromperie. On va passer par là-haut. Et vous savez quoi ? Non, on va pas passer par là-haut. On va tout simplement s'arrêter là, les amis. Et puis, on découvrira tout ce qui se passe un petit peu lors de notre prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Surtout, c'est le plus important. À très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Bye.